Bonjour à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Laura et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un classique de l'été, le débardeur. Rapide et facile, il vous faudra simplement un tissu en jersey ou en rib, donc quelque chose d'assez extensible, tout simplement pour pouvoir enfiler votre débardeur facilement. J'ai choisi un modèle assez ras du cou et plutôt courant au niveau des épaules, donc si vous aimez ce style de débardeur et que vous voulez réaliser exactement le même que moi, je vous invite à vous rendre sur Etsy. Donc mon patron vient de chez Doudas Patterns. Je vous ai mis le lien dans la description ainsi que le reste des fournitures dont vous aurez besoin. Je crois que j'ai tout dit, donc une fois que vous êtes prêts, je vous invite à passer au tutoriel. Avant de commencer, je rallonge le patron de 20 cm car je veux un vrai débardeur et non un crop top. Donc si c'est votre cas, vous pouvez faire exactement la même chose que moi. 20 cm, c'est très bien, ça suffit. Mais si vous aimez le côté crop top, et bien dans ce cas, pas de souci, vous n'avez rien à faire, juste à couper vos morceaux comme d'habitude. Vous devriez donc avoir 5 morceaux, un devant, un dos, et les 3 bandes qui vont nous servir à faire les finitions au niveau de l'encolure et des emmanchures. Pour commencer, superposez votre devant sur votre dos, endroit contre endroit. Puis épinglez et surjetez une des épaules, celle de votre choix. Rabattez la valeur de couture vers le dos et repassez bien à plat. Prenez la bande de finition d'encolure, puis épinglez-la au corps du débardeur, endroit contre endroit, en partant de l'épaule qui est encore ouverte. Tirez sur la bande en l'épinglant à l'encolure de façon à bien la tendre pour qu'elle tombe joliment autour du cou. Le devant et le dos du débardeur quant à eux ne doivent pas être tendus, il faut les laisser bien à plat. Une fois que vous avez atteint l'autre épaule, vous n'avez plus qu'à surjeter tout le long du bord. Repassez bien à plat en couchant la valeur de couture vers la bande d'encolure et non vers le corps du débardeur. Superposez les deux épaules et recoupez l'excédent de matière au niveau de la bande d'encolure. Surjetez maintenant le bord long de la bande d'encolure. Rabattez le surjet que nous venons de réaliser sur l'envers, de façon à masquer le premier surjet. Une fois les deux surjets bien superposés, maintenez avec une épingle sur l'endroit. Piquez sur l'endroit à l'emplacement des épingles, soit à environ 2 mm du bord de la bande d'encolure. L'encolure étant terminée, vous pouvez maintenant épingler et surjeter la seconde épaule exactement comme nous l'avons fait pour la première. Assurez-vous simplement que vos deux coutures d'encolure correspondent bien pour un résultat plus professionnel. Nous allons maintenant répéter exactement les mêmes étapes pour les finitions d'emmanchures. Comme tout à l'heure, commencez par épingler vos bandes aux emmanchures, endroit contre endroit, en tirant bien sur les bandes pour les tendre. Vous pouvez ensuite surjeter. Recoupez les excédents de matière, puis repassez en rabattant les valeurs de couture vers les bandes d'emmanchure. Surjetez ensuite les bords restants. Rabattez à nouveau le second surjet sur l'envers de façon à masquer le premier. Épinglez sur l'endroit, puis piquez à 2 mm du bord.
Les finitions d'emmanchure du débardeur sont terminées, nous pouvons donc assembler les côtés. Pliez le débardeur en deux, endroit contre endroit, pour superposer les côtés. Épinglez puis surjetez en vous assurant que les finitions d'emmanchure coïncident bien. Notre débardeur est presque terminé, il ne reste plus qu'à faire la finition de l'ourlet. Pour cela, commencez par surjeter le bas du débardeur. Repliez ensuite le bas du débardeur de 2 cm sur l'envers. Épinglez tout autour, puis réalisez une première piqûre à 1,8 cm du bas du débardeur. Réalisez ensuite une seconde piqûre 5 mm en dessous de la première. Et voilà, votre débardeur est maintenant terminé. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce débardeur. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez réalisé ce débardeur, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram pour que je puisse voir le résultat final de vos créations. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner, c'est ça qui me motive à continuer. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.